Nous allons maintenant apprendre comment on débute et on termine une couleur lorsque l'on tisse une serviette à vaisselle avec du 2/16 doublé. Donc, nous passons notre fil, on met toujours notre fil en diagonale et on laisse un petit bout, environ 3 ou 4 pouces, qui dépasse. Comme ça. On appuie. On reste sur nos... là, maintenant, je suis sur le 1-3. On reste sur 1-3. Et l'on dédouble. On va dédoubler notre fil en laissant un proche de notre pièce ici et l'autre est plus haut, pas mal plus haut. Ensuite, on va vérifier si notre fil... Il faut prendre le premier fil du bas. On regarde si c'est lui du haut ou c'est celui du bas. Ici, c'est celui du bas. On va tourner notre fil dans notre fil du bas. On va le tourner comme ça. On va le ramener ici. Ensuite, on va coucher notre main sur nos fils et on va aller chercher le bout de notre fil en essayant de ne pas tirer trop pour ne pas entrer, pour ne pas que le fil entre. Par la suite, on va le mettre comme ça ici pour le voir comme il faut. Et on va compter à peu près 8 fils, 8 à 10 fils. Et on va aller chercher notre fil que l'on avait mis plus haut. On va aller le chercher et on va le superposer par-dessus l'autre fil. Ensuite, on va frapper et là, on va changer de marchure. Quand on change de marchure, il faut toujours changer lorsque le battant est proche de notre pièce. Je vais tisser quelques rangs. On ne dépose pas notre canot, on envoie notre fil en diagonale toujours. On appuie comme ça. Et maintenant, ici, nous avons une... ici, j'avais plus de fil et donc j'ai fait une boucle. On va voir comment on... de quelle façon on va hanter notre fil. Quand nous n'avons plus de fil, donc ici, je vais entrer mon fil jusqu'où il se rend. Je vais venir le sortir ici, les deux brins. Par la suite, je vais séparer mes brins et je vais, ici, mon premier fil sort ici, je vais aller plus loin, je vais aller rechercher l'autre fil. Et je vais le sortir. On ne les sort pas trop proches, c'est préférable les sortir plus loin. Ensuite, parce que mon fil s'en allait par là, je vais envoyer mon deuxième fil, mon nouveau fil, je vais l'envoyer de droite vers la gauche. Et je vais ici, parce que je veux superposer mes fils par-dessus lui qui sort ici, je vais aller chercher mes deux fils ici. Je vais séparer mes deux fils. Je vais en laisser un ici. Et par la suite, en superposant à peu près 5 à 6 fils, je vais aller chercher mon autre fil. Je vais le sortir ici. Vous voyez ici, les fils sont superposés et ici. Sur une petite distance, tout en mettant comme ça. Et vous allez voir, c'est presque invisible. Là maintenant, on va dire que j'ai terminé ma barre. Je vais terminer vers la droite. Ici, je l'envoie en diagonale. J'appuie et je laisse mes pieds sur le 2-4. Je suis présentement sur le 2-4. Je laisse mes pieds sur le 2-4. Je coupe mon fil à environ 3 pouces du bord. Je sépare toujours mes fils et j'en monte un. Je viens voir si c'est le fil du haut qui est le premier.
Donc, j'enroule mon fil autour, comme ça. Maintenant, je ne mets jamais deux hantures vis-à-vis. Donc, je vais le faire ici parce que ici, j'en ai pas de hanture. Je viens chercher mon fil en essayant de ne pas trop tirer pour ne pas faire rentrer mon fil. Ici, mon fil sort ici. Donc, je vais aller 5 à 6 fils ou 8 fils à peu près. Aller chercher mon autre fil que je vais ramener vers ici. Si jamais j'ai trop tiré puis que mon fil est rentré comme ça, il ne faut jamais faire ça parce que ça va user les fils. Il ne faut jamais faire ça pour le sortir. Ce qu'on fait, c'est que je me rappelle que c'était le fil du haut. Donc, j'essaie doucement de sortir mon fil comme ça. Tiens. Et j'appuie. Et je recommence avec une autre, avec mon fil blanc. Je vais me faire une... Comme ça. Mon fil est toujours vers le haut. Ça déroule... C'est toujours préférable vers le haut. Ça fait moins tirer le fil. Donc, j'envoie ça. Je laisse un petit bout dépasser. J'appuie. Je reste sur mes marcheurs. Je dédouble mon fil. Et le fil comme ça. J'enroule mon petit fil ici. Et là, je ne viendrai pas ici chercher parce que j'ai déjà une hanture. Je vais venir plus loin chercher mon fil. Comme ça. Là, je vois qu'il est pas, que je n'avais pas sorti assez. Donc, je vais venir ici comme ça. Et je venais par-dessus le sortir. Comme ça. Je vais maintenant vous montrer... Je vais faire quelques rangs et je vais vous montrer comment on fait juste deux rangs. C'est vraiment, ça fait beau sans couper. Ça fait deux rangs seulement entre, quand on tisse, là, ça fait beau. Puis on n'a pas besoin de couper notre fil, le fil avec lequel on tisse. Donc, nous allons entrer notre fil de couleur. Ça, c'est quand on fait juste deux rangs. On n'a pas besoin de couper. On en laisse plus grand ici. Là, on appuie. On change de pédale. On s'en va sur 2-4. Et j'enroule. Je vais croiser mon fil blanc avec mon bleu. Et je vais entrer mon bleu. Juste... Tiens, comme ça. Puis là, ici, c'est croisé avec mon blanc. Comme ça, mon blanc paraîtra pas. Là, maintenant, je fais comme... Quand j'ai hanté mes fils ici, je vais comme ça. Je vais le sortir ici. C'est important de les distancer. Là, maintenant, je vais relancer mon canot, mon fil bleu. Et je vais aller chercher mon fil, celui qui est le plus loin. Je vais aller chercher mon fil ici. Je coupe mon fil. Là, ici, il y en a deux. Donc, je vais les séparer. Et je vais venir en mettre un ici avec l'autre fil. Je vais aller le chercher comme ça. Vous voyez ici que j'ai un par-dessus l'autre. Ici aussi, je les ai croisés. Comme ça. Et par la suite, je reprends avec mon blanc. Comme ça. Comme ça. Donc, je décide d'en faire une autre. Comme ça. Je croise. Je viens sortir mon fil bleu. Ici. Je m'arrange pour pas que ça soit deux hantures en la même place. Je viens, ça c'est mon premier, je viens au plus loin, je viens chercher mes deux fils que je coupe.
comme ça. Comme ça. Et je peux continuer de tisser mon blanc sans l'avoir coupé. Maintenant, je vais vous montrer comment on coupe nos fils. On ne coupe jamais les fils quand ils sont proches. Il faut avoir fait quelques rangs avant de les couper. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on tire juste un peu et on met nos jamais les ciseaux par là parce qu'on pourrait couper nos fils. Donc, toujours les ciseaux vers vous et vous coupez. Les ciseaux vers vous et on coupe. Comme ça. Si vous ne tirez pas assez, ça va paraître quand vous allez couper vos fils. Et si vous tirez trop, vous allez couper des fils de chaîne. Donc, c'est important d'avoir des ciseaux quand même assez fins, pas trop larges, pour pas que les fils paraissent quand on les coupe. Comme ça. Il n'y a rien qui paraît. Quand on tisse avec du 2/16, là, ça fait. Les hantures ne paraissent pratiquement pas.